Et nous envie évidemment ce magnifique cabaret. Je crois qu'encore une fois, le soutien de cette belle aventure nous permettra d'accueillir et d'applaudir, mesdames, messieurs, le Lido de Paris. Il y a des moments comme ça où dans la vie, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ça va plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça va mieux là pour toi, Yannick, c'est vrai. Ouais, c'est très bien. Suits you pretty well. Wonderful. Huit pour venir nous rejoindre, mesdames, messieurs, voici la première d'entre elles, voici les huit meilleurs du Grand Prix Lido de Paris. Emma Bonnier for France. Voilà, Fernand Lameu, ambassadrice des Longines Masters. Et les nouvelles, bien sûr, pour saluer encore une fois les huit meilleurs que vous aurez le plaisir de saluer à l'occasion de leurs différentes prestations. 14 donc se sont retrouvés en finale. Ça va aller bien, trophées, bouteilles de champagne et les cadeaux du public ici de Paris des Longines Masters. Allez, à vous maintenant de saluer cette belle victoire. Emma Bonnier. Il est deuxième, Dominique, deuxième, il était lors de l'épreuve d'ouverture, dans le top 3 une nouvelle fois lors du Grand Prix, applaudissements, Dominique Burke, Younes Khatam. Regardez, l'hommage encore une fois qui aura ce magnifique cheval, Younes Khatam. La troisième place nous permet de saluer la Grèce, Nicolas Castros et championnesse. Nicolas, c'est donc le troisième, alors que la quatrième place nous permet, vous, d'applaudir une nouvelle fois Louise Bernard. Bravo Louise. Caroline Maury, notre félicité. Nous voici en train de féliciter donc Eden, Eden que vous pouvez une nouvelle fois applaudir. Eden, le tribun de le bouton. Bravo Eden. Et sixième, alors que la septième place, Claire Chex. Oui, oui, applaudissements pour Claire, Claire Chex et Lyon dans les Chamoff. Et Nicolas Cantelou est bien aussi parmi les 8 meilleurs. Applaudissements, Nicolas Cantelou, Valence. Ils ont eu le plaisir de récompenser chacun d'entre eux. Voilà, et on va féliciter l'intégralité, bien sûr, des cavaliers. Caroline, ou tout du moins, son cheval qui était un petit peu inquiet, voilà pourquoi on a sorti de la réalité. Mais vous pouvez l'applaudir encore une fois parce qu'elle a fait vraiment un parcours absolument parfait, cinquième meilleur. Comme dans la tradition, mesdames, messieurs, si vous êtes assis, je vous demande d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir vous lever à l'occasion de cette victoire internationale. Va retentir l'hymne vainqueur à l'occasion de la victoire d'Emma Bonnier. Mesdames, messieurs, que retentisse la Marseillaise. Thank you.
Emma Lang, Baudier, Dominique Boeuf, Nicolas, Louise, Caroline, Aiden, Claire et Nicolas Lang. Vous aurez le plaisir de voir Gainsbourg. Va nous permettre justement d'essayer d'immortaliser cet instant. Alors j'espère en tous les cas que les chevaux trop être inquiets par ces grandes plumes de pente. Ça représente quelque chose d'assez affolant pour les chevaux parfois. Je pense qu'ils y prennent presque autant de goût que nous. Pas tout le monde. Je ne suis pas sûr, Marc. Je ne suis pas sûr que ce soit Dominique. Hein, mais lui, il aurait bien voulu rester. Dominique aurait préféré rester, mais effectivement, ça m'en dure un peu moins. Celui de Rivergrande, un petit peu inquiet, mais pas plus que ça quand même. Merci Pedro, merci Franck. Voilà. Et pour la photo, bien entendu, elle est superbe, Emma. Vainqueur de ce Brie Lillo ici, Emma Bonnier. Encore une fois, sous vos applaudissements. Meilleur moment du Grand Prix, voilà la presse s'empare de ce magnifique cliché, mesdames et messieurs, qui fera grâce notamment au soutien des différents sites et celui des Longines-Masters, ce qui vous permettra de retrouver ces jolis clichés. Et bien Emma, maintenant, je crois que le public aura plaisir à vous saluer une nouvelle fois, mais en cadence. Allez les amis, on y va pour le tour de l'heure. Allez, go. Sur le podium qui se trouve là-haut, juste au-dessus, les trois premiers, vous allez les revoir si vous avez un objectif.